Allez, salut à toutes et à tous, la même compagnie, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, je suis désolé pour ce début de vidéo absolument catastrophique, j'ai voulu envie, ouais, tout à fait, ouais. J'ai voulu envie, mais non, mais c'est pas vrai, fais ta phrase correctement. J'ai eu envie, voilà, ou j'ai voulu, c'est comme vous voulez, mais pas les deux en même temps. J'ai voulu faire le con, hein, tout simplement, vous l'aurez compris, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez bien rigolé, en tout cas pour cette nouvelle vidéo qui commence sur Planet Coaster avec une grande annonce. Vous allez voir en description directement le formulaire, puisque ça y est, vous allez pouvoir me renvoyer vos parcs d'attractions. Je vais refaire des vidéos visite de vos parcs d'attractions Planet Coaster et vous allez voir, c'est super simple. Il y a 4 champs à remplir. Attendez, avant de traverser, on regarde à droite et à gauche. Hey, je suis en forme aujourd'hui, j'ai plein de trucs à vous montrer. C'est faux, mais il faut que je vous montre quelque chose en ce début d'épisode. Enfin, en ce début de vidéo. Mais du coup, pour terminer là-dessus, voilà, n'hésitez pas. Si vous avez un parc d'attractions que vous avez fait sur Planet Coaster, sur PC, et que du coup vous l'avez mis sur le workshop, très important tout ça, eh bien vous pouvez me l'envoyer. Par contre, si ce n'est qu'un seul coaster et que c'est pas un parc d'attractions complet, ne me l'envoyez pas. Et si la demande est forte, eh bien je ferai un autre formulaire en plus pour justement les coasters spécifiquement. Mais là c'est vraiment pour les parcs d'attractions complets, donc avec plusieurs attractions, avec services, chemins, etc. Tu m'as compris. Donc n'hésitez pas, vous remplissez le formulaire en description, vous mettez votre pseudo ou tous les pseudos des participants, parce qu'il y en a qui font évidemment des gros projets à plusieurs. À ce moment-là, ne mettez pas en premier le pseudo du créateur qui est au-dessus, tu vois, mais mettez votre pseudo. Je veux savoir c'est qui m'envoie le formulaire quand même. N'hésitez pas, donc voilà, vous mettez le nom de votre parc, vous mettez le lien du workshop sur PC, donc très important, sinon ça ne fonctionne pas. Si vous êtes sur console, je ne pourrais pas. Vous pouvez mettre une petite description de votre parc, etc. Et puis voilà, tout simplement, vous envoyez le formulaire et puis éventuellement je le visiterai en vidéo. Comme dit, s'il y a une grande demande, et puis voilà, je ne vais pas non plus me forcer à faire à visiter tous les parcs, donc si donc déjà soyez patient, évidemment, c'est pas du jour au lendemain que je vais faire une vidéo. Mais aussi, si vous ne voyez pas votre parc au bout d'un moment, j'en suis absolument navré, merci de votre compréhension, mais voilà. Ceci étant dit, ceci étant fait, l'entrée du parc, il y en a qui vont m'insulter, vous allez voir. J'ai rien retouché au niveau de l'entrée du parc. Bon, vous avez peut-être vu à droite qu'il y a un truc bizarre. J'ai rien retouché encore, on aura l'occasion d'en faire. Vous avez répondu à peu près à mes questions pour les tourniquets. C'est vrai que je suis un petit peu con, mais je pense que j'ai la solution pour faire les tourniquets, c'est tout débile. Et j'ai commencé l'aller, j'ai commencé à faire quelque chose. Je suis assez content, mais en fait, le truc, c'est que regardez à droite. Bah, y'a plus rien! Voilà, y'a plus rien, y'a plus de coaster. En fait, j'ai pété un câble, je m'en veux un peu, et en même temps, je pense que c'est pas une si mauvaise chose. Parce que j'étais pas du tout content, évidemment, du layout. J'étais pas content, j'ai voulu encore retaffer le layout en plus avec vos astuces que vous m'aviez donné en commentaire. Avec les 0G, les 0G, 0G, enfin bref, plein de figures qui sont possibles et inimaginables. Et puis j'avais même refait le tracé du layout. Je vous jure qu'il était très 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 intéressant, encore plus que dans la dernière vidéo. Mais ça m'a cassé la tête. La fluidité, je n'arrive pas à la faire. Et j'en ai vu des tutos, je suis pas débile. J'en ai fait hein, aussi des coasters quand même plutôt pas mal. Avec l'égalisation, prendre son temps de faire partie par partie, ou prendre des grandes portions, peu importe. La fluidité, je sais pas, il y a un truc qui se secoue, c'est très bizarre. J'ai pété un câble et je me suis rendu compte que malgré tout, bah en vrai, recommencer tout à zéro ou recommencer quelques parties, ça revient absolument au même parce que bah, dans tous les cas, je recommence tout un layout. Donc je me suis dit, ça mange pas de pain, j'ai tout cassé et je vais tout refaire. Voilà, tout simplement. Je sais, on stagne là-dessus, mais c'est pour le meilleur. C'est pour le meilleur. Ouais, alors voilà, j'ai fait les petites boutiques. J'ai commencé à faire des boutiques pour l'entrée du parc, à savoir, évidemment, certains vont probablement le remarquer, mais en fait, c'est un préfab. À la base, en tout cas, c'est un préfab que j'ai recustomisé à ma sauce. Et d'ailleurs, du coup, justement, avec ces tonnels que j'ai improvisé un petit peu partout dans le parc, de là-bas, vous pouvez les voir, les tonnels là-bas. Donc j'ai vraiment tout changé, tout fait à ma sauce. C'est pas encore terminé, c'est juste un début. C'est pour se donner une idée, avec donc des trottoirs sur les côtés. Déjà là, tu sais que ça va rendre quand même plus sympa que ce que c'était jusqu'à présent. Avec un petit coin ici végétal. J'ai fait en sorte, vous voyez, normalement les gens n'ont pas le droit de marcher ici. Après ils font ce qu'ils veulent, hein. C'est pas cool pour la nature, mais ça fait que personne va se cogner dans le palmier. Donc ça c'est sympa. Donc j'ai modifié pas mal de choses, puisque là j'ai mis la fontaine pour le moment ici. Donc la grande roue, je l'ai pas encore bougé. L'accès aux toilettes, je l'ai mis ici du coup. Donc c'est bien plus sympa parce que vous voyez ici sur ce fameux trottoir, ça va être toute la zone backstage. Donc beaucoup plus cohérent. Bon, c'est pas fini hein, bien sûr, mais beaucoup plus cohérent.
avec un accès également ici pour les backstage, donc inaccessible au personnel. Mais vous voyez, là au moins tout de suite c'est déjà quand même plus cohérent, ils ont plus de place, il y a plus de choses à faire plutôt que d'avoir un accès aux toilettes un peu cul-de-sac. Là voilà, c'est quand même bien plus sympa, donc voilà un petit peu, n'hésitez pas à me donner vos idées. Après comme dit là c'est vraiment que le début, donc voilà. Attaquons-nous maintenant du coup au nouveau coaster. Je vais pas vous faire un accéléré parce que les accélérés, c'est ce que j'ai fait précédemment. C'est vrai que c'est pas terrible, c'est pas beau à voir je trouve. Par contre les accélérés pour les décorations, pour les constructions de maisons, ça je trouve ça stylé. Mais pour la conception des coasters, je trouve que les accélérés c'est pas terrible parce qu'on comprend pas forcément tout. Donc je vais même pas en faire. Par contre, je vais vous montrer les avancées petit à petit. Donc écoutez, je vous souhaite un bon visionnage, j'espère que vous allez apprécier. Et encore une fois, merci à vous qui êtes nombreux en ce moment à commenter les vidéos Planet Coaster parce que ça m'aide énormément, sachez-le. Donc voilà. Oui, j'ai enlevé la végétation aussi, vraiment, ça va permettre d'y revoir mieux clair, quoi. Vachement cool. Allez, c'est parti. Oh là là, vous avez pas idée comment je suis super content, les gars, ça avance. Hey, alors, attends, ça c'est juste pour vous dire à quel point... À quel point quand t'as de l'inspiration d'un coup c'est incroyable. Alors oui, je vais utiliser des vrilles qui sont préfaites, mais je pense qu'il n'y a pas de secret, il n'y a que ça qui fonctionne à partir du moment où t'as une bonne idée. Je vous montre le layout avant de faire un POV, c'est le début en tout cas. Donc une propulsion directement avec une attente cette fois-ci. Avec une première vrille qui part sur la droite. Donc ça c'est, j'ai envie de dire, le grand classique et au moins c'est un perfect maîtrisé grâce eh bien, aux vrilles prédéfinies du jeu. Avec un premier bon virage à 100 km/h, niveau DG on est pas mal. Je sais plus comment ça s'appelle, je me sens con, j'aurais dû réviser avant. Mais ça j'aime bien, peut-être un peu trop lent. Un airtime, virage droit, virage gauche, on se fait pas chier. Un looping, niveau timing le looping il est absolument parfait, il est absolument majestueux. Et là ça s'arrête ici pour le moment. Avec justement le coaster qui va passer à côté de l'allée, ça va être juste parfait. Déjà là, on est sur un truc beaucoup plus intéressant, avec une vitesse beaucoup plus maîtrisée. Ça n'a rien à voir avec précédemment le coaster, parce que bah, vous aviez raison, hein. Il y en a un qui a dit en commentaire que c'est vrai que bon, il y a des moments où on se fait chier, il se passe pas grand chose, et c'est vrai, je suis complètement débile. Là, j'ai déjà envie d'être dans ce coaster dans la vraie vie. Enfin, envie. Je le sens pas trop ici, je me chie dessus, mais globalement c'est à peu près l'idée. Peut-être, alors comment ça s'appelle du coup? Est-ce qu'on a le nom? Ah oui, parfait, Cobra Gauche. Voilà, j'ai utilisé le Cobra Gauche. Peut-être un petit peu trop grand, voilà, mais pas non plus trop petit. Un truc juste aussi, peut-être, je sais pas, dites-moi en commentaire, est-ce que vous trouvez, je ne sais pas, moi je m'y connais pas, est-ce que vous trouvez que cette figure est trop haute ou pas? Ce que je veux dire, c'est que, est-ce que vous trouvez que c'est haut de faire ce genre de figure ou est-ce qu'il faut le faire au niveau du sol? C'est ça ma question, parce que si tel est le cas, bah à ce moment-là, on terraformera et on changera un petit peu éventuellement pour, tu sais, genre, je sais pas, je mettrai une sorte de montagne ici qui fera... Enfin, vous voyez, il faut pas oublier que le décor va faire beaucoup. Hein. L'avantage de Planet Coaster, c'est qu'on peut faire le décor, enfin, la terraformation limite, après avoir planté le coaster, ce qui évidemment dans la vraie vie n'est pas possible, mais vous m'avez compris. Un petit on-ride, pour que vous voyez un peu l'idée, je suis vraiment satisfait, hein. Je suis vraiment satisfait pour le moment. Je pense que ça envoie du lourd. Hop, donc on va également regarder les jets sur la droite. Mais bon, en général, les jets sont relativement bons, surtout quand c'est prédéfini. Mais là, la vitesse, elle est super bien maîtrisée. Je pense que je vais pas la perdre d'aussitôt. Donc c'est vraiment que du bonheur. Allez, ça part. Un pic à 110 km/h. Et je crois qu'on dépassera jamais les 2G. Hein. Ah si, voilà, 2G. Ok. Voilà, un petit virage plutôt sympa pour une fois que j'ai réussi à faire un virage. Voilà, parfait, c'est bon. Là, c'est la vitesse qu'il faut. Yeehi ! La pression au ventre, le airtime. Voilà. Ça part sur la droite, ça part sur la gauche. On peut aussi qualifier de airtime, là, ce qui vient de se passer. Et hop, le looping. Et là, il y a encore moyen de faire... Alors, soit justement ce qu'on disait, un G-rosé. Un G-rosé. Non, excusez-moi, c'est parce que je suis un alcoolique, donc je pense beaucoup au rosé. Un 0G. excusez-moi. Non, l'été arrive, moi j'ai... Bah, tire-bouchon, voilà. Ouais, bref. Oh. Ah non, ça passe au-dessus de l'allée, ça me plaît pas du tout. Oh. Non, on est à 80 km/h, ça ferait beaucoup trop, là. Mais, ouais, le 0G, où c'est qu'on trouve le 0G? Juste pour voir de nouveau à quoi ça ressemble le fameux 0G. Mais non, le 0G il est censé être dans les vrilles. Je suis débile là.
Banane, tac tac tic, tac tac tac. Je l'avais vu une fois en plus le gérosé, justement je trouve ça super intéressant. Mais je dois être complètement débile. Ah, fer à cheval, non c'est pas ça. Il est où le gérosé? Ah il est là le 0G. Voilà. Ouais, ça à la place d'une vrille, c'est quand même sympa ça. Enfin à la place d'une vrille, à la place d'une, comment une, ça là, comment ça s'appelle? Les tonneaux, voilà, à la place des tonneaux, ce sera pas mal. Bon, ce sera pas ce qu'on va faire ici. Hop, là on va directement repartir comme en l'an 40. Hop. Ah je suis content. Allez je vous reprends tout à l'heure. Ok, je vous reprends pour montrer les avancées puisque je vais en fait modifier encore. Donc je préfère vous montrer, bah, c'est comme je suis un peu deck parce que le layout avant d'avoir tout supprimé, j'en étais quand même content même si j'ai pété un câble et que j'ai tout supprimé. Et c'est dommage parce que du coup bah, vous ne le verrez jamais ce fameux layout. Donc c'est pour ça avant de supprimer ce que je fais encore, je vous montre ce qui se passe. Donc tout le début que je vous ai montré, hop là, il n'y a rien qui change parce que bah, franchement, je suis plutôt satisfait. Donc on passe ici, on arrive sur cette, alors comment t'appelles ça, sur ce looping plongeon sur la droite qui en plus rend un côté très sympa pour les visiteurs qui rentrent dans le parc. J'ai enchaîné en tout cas avec un autre looping rond qui va sur le côté droit et un dernier plongeon pour aller du coup à gauche cette fois-ci. Et c'est donc en fait c'est un enchaînement de looping, mais évidemment tu ne t'en rends pas malade parce que niveau vitesse c'est vraiment bien géré, ça prend bien le temps, c'est vraiment chouette. Et puis de toute façon comme dit on est là pour les sensations ou pas. Voilà. Ensuite ici ça descend et donc ce que j'avais fait c'était une zone de freinage avec après bah oui justement une zone de freinage pour comment, zone de freinage tout à fait. Je me répète parce que j'avais dans l'idée qu'à partir du moment où un train vient ici tu t'arrêtes. Et comme ça il y a un nouveau wagon qui peut partir. En termes de rentabilité c'est vraiment chouette. Sauf que c'est dommage parce que ça voudrait dire qu'il faut mettre une deuxième propulsion et que j'ai pas la place pour refaire tout un gros truc. Et donc c'est bien dommage. Et en plus ça casse la vitesse ici quand t'arrives. T'as une vitesse encore de dingue. Faut en profiter. Donc je supprime, je prends le choix de ne pas le faire. Tant pis pour la rentabilité, peut-être qu'on va faire une autre zone de freinage par la suite. Mais globalement c'est ça. Parce que j'avais aussi l'idée, et ça venait d'un abonné à la base, mais c'était donc de faire une zone, de refaire à la fin, de faire une zone d'attente avec voilà, des animatronics enfermés dans une caverne ou quelque chose comme ça. Alors globalement l'idée pourquoi pas, mais du coup moi je pense qu'à la fin, moi ce que j'aimerais c'est que les visiteurs, quand ils attendent le wagon et qu'ils voient le train arriver, j'aimerais que le train il vienne pas à fond les ballons en mode ouh sensationnel. Moi j'aimerais qu'il vienne de en bas avec les chaînes ici là. En mode que le train il sort de nulle part quoi tu vois. Genre tu te dis waouh mais ils viennent d'où frère. J'aimerais que ce soit ça l'idée tu vois. Donc à la fin il y aura peut-être du coup une zone d'attente un peu souterraine mais pas trop parce que c'est l'ambiance jungle. J'ai pas envie de faire des cavernes mais globalement ce sera dans la végétation bien enfuie tu vois. Voilà globalement ce que j'aimerais faire et donc du coup bah, autant en profiter pour faire un maximum de sensations ici. Alors hop je vais valider là. Là je pense qu'on va encore en profiter pour refaire du airtime. Le seul problème qu'on va avoir c'est qu'il va falloir passer en dessous de ce truc. Mais en vrai de vrai ça devrait pas poser trop de soucis. Merde. Si on fait ça comme as. Comme as. Voilà, là on remet droit. Tac, je vais un peu rétrécir mon bordel. Et hop là on peut refaire remonter. Une inclinaison vers la droite. Globalement c'est comme ça que je fais et après j'essaye de fluidifier au maximum. Par contre là je vais m'égarer là. Là je vais m'égarer parce qu'on a toute une zone au middle que je n'utilise pas parce que je fais tout à grande vitesse. Donc ça c'est pas bon. Donc là qu'est-ce que je fais? Eh bien dans un premier temps je vais égaliser parce que je sais que c'est pas bon du tout. Et on va voir la réaction du train. Est-ce qu'il a une bonne réaction? S'il a une bonne réaction, bon, on va essayer de continuer comme ça. Par contre, s'il a une mauvaise réaction, bah, ça sert à rien de vouloir faire plus. Et on pourra changer totalement le parcours. Hop là, donc voilà. Donc vous voyez, c'est sympa, c'est que quand t'es visiteur et que t'es là, regarde. Là, t'auras des bâtiments et tout. Enfin, ça sera bien protégé, mais t'auras les bâtiments et là, voilà. Oh là là, ça c'est la classe à Dallas. Ça c'est la classe à Dallas. Oh yeah. Ah merde, j'avais pas vu que c'était fini. Bon, là, il a une mauvaise réaction le train déjà. Voilà, là on se fait chier. Bon, bah après faut pas oublier que là on vient de sortir de trois inversions si je puis dire. Donc c'est pas non plus la peine de vouloir en faire trop. Mais dans tous les cas, je n'aime pas la réaction du train ici. Donc en fait j'aime pas parce que je trouve ça brut même ici là en fait. Ah oui c'est ça. Je trouve ça très brutal là.
Et je crois que je peux même rien y faire. Bon, allez, je vous retrouve après. Bah écoutez, on est plutôt pas mal. Donc voilà, jusqu'ici, pas de changement. On arrive sur le deuxième looping bien rond. Et puis à partir de là, ça va changer du coup, avec quand même de la belle zone conquise. Ici, on a la petite banane qui va sur la gauche. Voilà, on prend bien notre temps. Ensuite, une nouvelle courbe par ici qui n'est pas inversée, mais qui est à la limite. On part ensuite en tire-bouchon vers la droite pour aller sur la gauche. On passe dans une petite caverne. Et on fait le fameux 0G. Le 0G que j'avais vraiment envie de faire dans tous les cas. Et la zone de freinage qui prend bien son temps. Et après, on arrivera sur. Enfin, là, c'est le, je veux dire, les freins. Et après, donc, la zone de freinage, voilà. Plutôt cool, je suis content parce qu'on a du coup conquis quand même pas mal de place et on a quand même pas mal de choses. Bon, je suis passé par pas mal d'étapes, hein. J'avais fait encore des airtime justement qui passaient ici, mais du coup c'était pas fluide, c'était absolument horrible. Donc je préfère largement privilégier les choses bien faites, même s'il y a moins de airtime. Voilà, mais mine de rien, il y en a quand même et que j'ai fait moi-même, hein, mine de rien, donc c'est quand même cool. Il y en a un ici, on peut en qualifier un là, puis là on peut aussi considérer. Alors là c'est pas du airtime mais bref voilà. Oh, je suis pas un planète pro, je suis pas un coaster pro. Mais je suis plutôt content, je vous montre le on ride. Donc ici vous connaissez. Regardez là, hop. Les papillons dans le ventre, hein. Un petit peu aussi, hop. Voilà, bon ça va. Donc voilà le fameux la fameuse vrille à côté de l'allée. Le looping bien rond. La banane. Oh yeah. Et ça prend des petits temps de pause, donc c'est ce qui est cool. La fameuse courbe. Et franchement, ça fait du bien d'avoir de la vitesse comme ça. Et voilà, c'était peut-être un petit peu brutal, mais ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien. Pour le reste, c'est quand même cool, donc on s'en fout, j'ai envie de dire. Et voilà. À la bonne heure. À la bonne heure, j'ai envie de dire. Franchement, en vrai de vrai, si on regarde les résultats, les échelles, pardon, force G. Donc force G, vous voyez, on est vraiment donc pour l'avant, à aucun moment on dépasse les 1G. C'est assez marrant ça. À aucun moment on dépasse les 1G. Et bah écoutez, très bien, tant mieux. Bon, pourquoi pas. Ah, je pensais quand même. L'avant c'est quand tu vas vers le bas quoi. On est bien d'accord, ou vers le haut. Ouais non, d'accord, bah très bien, c'est que ok. Vertical, voilà, là on est sur du 2G, 3G. Ah là on a quand même du 360, mais on s'en fout, ça fait partie du préfab, donc dans tous les cas c'est quand même fluide ici, je veux dire là c'est fluide, hein. Là on se fait du bien, la limite c'est peut-être juste brutal là, ça c'est clair. Ah oui, en effet, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on se prend un bon petit DG, on va pas faire attention à ça. Ah si, là on a quand même un petit on a un 460 au niveau de la propulsion. Bon, après ça on peut rien y faire. Et puis au contraire, eh oh, c'est bon, c'est le seul moment où on a du 4G, profitons-en. Je veux dire, on est là pour se faire du bien quand même. C'est pas comme si c'était 4G plusieurs fois et tout le long. Donc bon, hein. D'accord. Je cherche à me rassurer. Non mais c'est vrai. Puis au niveau latéral, on est aussi bon quoi. Voilà, donc j'aime plutôt pas mal le layout. Là, vraiment, je compte sur vous pour me donner vos impressions. Alors, ouais, franchement, là, ça donne envie là. Là, on est sur un vrai truc où on se fait pas chier quand même. Là on se fait pas chier. Comme dit vraiment, juste, est-ce que là il faut que je fasse une montagne en dessous? Parce que c'est peut-être haut pour pas grand chose, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Le truc c'est que j'ai vraiment pas envie de retoucher parce que compliqué. Ou alors attendez, non si attendez, on va. Allez, je vais encore modifier le layout. Et je vous retrouve juste après. Bah écoutez les amis, je pense que j'ai trouvé la solution. Vraiment, je suis très 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 content. Ça rend le truc encore plus sensationnel et ça rajoute un airtime supplémentaire. J'ai tout simplement baissé le Cobra. J'ai baissé le Cobra et du coup je l'ai rendu encore plus grand. Parce que là, regardez, on est quand même sur du 95 km/h. Bien regardez, là déjà on a un airtime gratuit, juste là. Enfin airtime, je sais pas si on... En fait, je suis désolé. Voilà, abus de langage. Mais moi j'aime cette sensation. Et là voilà, on est plutôt pas mal. Alors peut-être au niveau des G, hop, je mets pause ici. On est à 3,65 sur les G verticales. Ça va. Et la vérité, ça va de ouf quoi. Et ça rajoute encore plus de sensations qu'avant en fait. Je trouve ça génial. Alors, est-ce que ça pose un couac avec l'autre coaster? Là j'ai besoin de vous en termes de réalisme. Est-ce que vous pensez que ça fait un couac ou pas? Moi je pense pas. Je pense pas, de toute façon normalement il n'y a pas de risque. Et puis comme c'est une trajectoire linéaire, il n'y a aucun risque en vrai de vrai, mais je sais pas. De toute façon, on verra, hein. Probablement on va rechanger le layout de celui-ci aussi.
Donc voilà globalement. Allez, je vous fais un petit on-ride. Du coup, il n'y a aucune décoration pour le moment. Vous me dites ce que vous pensez du layout. Je compte sur vous en commentaire pour me mettre une note. Moi, je suis vraiment très content. Je pense pas le modifier. Très honnêtement, je pense pas le modifier. On a enfin quelque chose de très cool. Oh, c'est déjà plus fluide. Hein. Le pire, c'est que c'est plus fluide. J'ai même pas fait exprès. C'est trop bien. Non, franchement, je suis ravi. Je suis trop content. C'est vrai que là, ce coaster-là, d'un coup, il a un intérêt, quoi. Ah ouais. Là, il a un intérêt, tu vois. Il y a un intérêt à le faire. Avant, il n'y avait pas d'intérêt à le faire, je trouve. En vrai de vrai, pour être honnête. Ah, je suis content. Et il n'y a qu'une seule propulsion, en plus. Hein. C'est ça, ce qui est absolument dingue. C'est dingue. Incredible. Incredible. Ah. Je pense que je vais devoir juste réduire la taille de celui-ci un tout petit peu. Ouais. Parce que là, il y a quand même un impact de vitesse. Il y a quand même un impact de vitesse, donc on va quand même réduire. Par contre, j'ai souligné un problème. Ah ouais, putain, c'est qu'il n'y a plus les supports pour celui-là, là. Oh. À cause du... Alors déjà, dans tous les cas, on le réduit. Ah, je peux pas plus le réduire, de toute façon. Et là, on va avoir un problème de support. Alors, de toute façon, pour le régler, c'est pas compliqué. Hein. Soit tu mets une allée, ou soit tu fais ça, normalement. Ouais. Je suis pas persuadé du bail... Je suis pas persuadé du bail. Parce que là, non, c'est pas bon du tout. Bon, va falloir faire autrement. Va falloir trouver une soluce. Alors comme dit, il y a la solution, mais c'est un peu con de faire ça. Et encore, ça ne marche même pas parce que... Ouais. Quel débile. Ah là, on se retrouve con là quand même, hein. On se retrouve con sans support. Bah écoute, tu auras plus qu'à le reproduire à la main, quoi. Bref, allez, ceci étant dit, ceci étant fait, je vous fais le vrai on-ride. Avec du coup les valeurs qui sont sur le côté. Hop, bon ça vous avez déjà vu, j'ai rien retouché. Voilà. Hop là, je me remets en vitesse normale. Parfait. Ah, c'est quand même... Bah après, ouais, je sais pas. C'est vrai qu'on a quand même perdu de la vitesse, quoi. Mais en vrai, c'est bien aussi, non? Ça fait une balade. En plus, par rapport à là, le coup qu'on se prend, là. Moi, je trouve c'est bien. Un peu effrayant que ça revienne en arrière, mais normalement, c'est pas censé... Voilà, et là, on se rend pas malade. En vrai, justement, je trouve ça beaucoup plus smooth, le fait que ce soit plus lent. En théorie, il n'y a aucun retour arrière possible. Et puis même, si ça arrive, c'est pendant les tests, notamment avec le Blue Fire, ce qui s'est déjà passé. Non, pas le Blue Fire, le Romir. Par contre là on a un vrai problème, j'avais pas pris ça au sérieux, c'est que là c'est très violent quoi. C'est complètement con quoi. C'est complètement débile. Ah ouais, c'est complètement débile, je peux même pas mettre de frein ou quoi. C'est con ça qu'on puisse pas mettre de frein comme ça. En fait on peut que mettre du frein si et seulement si, déjà il faut pas que ce soit incliné. Et en plus il faut... Voilà, tu vois, il faut pas que la pente soit trop raide, sinon c'est un tronçon d'attente, tu vois. Donc en fait, voilà, là je peux mettre le frein, mais du coup c'est pas possible. Bah je vais encore retoucher en fait. Bon, les amis, j'ai galéré de ouf et je comptais pas passer toute ma matinée à le faire. Et j'ai passé toute ma matinée à le faire, donc c'est absolument incroyable. Alors, j'ai terminé, j'ai modifié de ouf. Bon, écoutez... J'ai juste un petit problème au niveau de la fin. Bon, comme dit, la thématisation et tout, c'est pas fini. Hein. Tout ce qui va être décoration, c'est pas la question. De toute façon, c'est même pas sûr que ça restera comme ça. En fait, j'ai un problème sur la fin. En fait, je n'ai que 3 trains. Et ce qui m'embête profondément, c'est que je comprends pas pourquoi... attendez, je vais vous montrer. Là, j'ai mis une zone de freinage ici. Je ne comprends pas. Si quelqu'un peut m'expliquer, pour de vrai, pourquoi on peut pas mettre plus de 3 trains. Tac, tac, tu vois. Merde, je me suis trompé. Je peux pas mettre plus de 3 trains. Cette zone de freinage, on peut pas mettre de train dessus. J'ai tout essayé. Je ne comprends pas pourquoi, étant donné que... étant donné que quand... En fait, je comprends pas. Le train qui est là, il sort. Donc, lui, il va se mettre là. Et lui, il va se mettre là. Donc, il y a encore la place d'avoir un quatrième train qui, lui, viendrait là. Parce que là, vous pouvez me dire, oui, mais c'est parce que s'il y a un train qui arrive là et que lui, il est pas parti... Oui, mais lui il sera parti. Dans tous les cas, si le train il est là, là il n'y aura pas de train. Il sera forcément ici.
voyez ce que je veux dire? Je comprends pas en fait pourquoi on peut pas mettre de quatrième train. Très bizarre. Bon, écoutez. Allez, on va faire le on-ride définitif en tout cas pour cette vidéo. Parce que vous en avez bouffé du on-ride, hein, j'en suis absolument désolé. Mais voilà, là c'est un vrai on-ride, je ne vais plus y retoucher jusqu'à la fin de la vidéo. Que ce soit fluide ou non, que ça me plaise ou non, parce que peut-être que là avec le recul je vais trouver quelque chose de pas correct. Bref, donc j'ai changé quand même au niveau de la fin du parcours des choses, mais c'est quand même plutôt intéressant je trouve. Du coup voilà, à voir. Allez, c'est parti pour le launch. Donc toujours le 110 km/h bien sûr, jusqu'ici tout va bien. J'aime beaucoup cette lancée. Le premier virage. Et hop, play. J'ai oublié tous les noms techniques, hein, donc je vous laisse commenter dans votre tête ou à voix haute tout ce que vous voyez. Voilà, c'est peut-être pas fluide, on pourra changer, mais je vais pas rechanger pour cette vidéo, vous inquiétez pas. Là c'est ok. Le looping, la vrille sur la droite pour aller sur la gauche. Ah oui, alors j'ai rabaissé du coup le coaster ici. De sorte à ce qu'il y ait un petit peu plus de vitesse. Voilà. Alors du coup là j'ai fait un airtime et j'ai enlevé le tire-bouchon parce que c'était juste pas possible en fait. Bien sûr le 0G qui passe au-dessus de l'autre rail. Et on termine avec un looping super lent pour justement arriver à la fin. Et hop, freinage. Et voilà. Donc c'est pour ça que là je comprends pas pourquoi le train ne veut pas s'arrêter là, regardez. Tu vois, le train il pourrait s'arrêter là ici sur cette zone de freinage. Alors pourquoi il s'arrête pas ici? Je comprends pas. Je comprends pas. Mais en tout cas voilà, globalement vous avez l'idée. Dites-moi ce que vous en pensez. Désolé pour toutes les modifs que j'ai pu apporter, mais bon, vous avez compris. Faites pas attention aux allées, évidemment ça va changer. Enfin voilà, y a pas mal de choses qui vont changer, mais vous avez à peu près compris l'idée. Pareil pour le karting, du coup c'est plus accessible. Et encore si on pourrait faire un petit chemin, mais bon, on changera, on fera bien. Voilà, on va adapter le parc, ne vous inquiétez pas. Là le plus important c'est de s'occuper des coasters. Mais du coup voilà, vous avez à peu près l'idée. Moi j'aime trop comment ça rend visuellement, même si c'est pas forcément parfaitement fluide par endroit, mais moi je pense que c'est relativement cool. Bon, évidemment ils veulent pas me donner les résultats des tests, mais bon, t'as compris. Ah bah oui, mais parce qu'il est pas encore arrivé à la fin. C'est pour ça, donc attendez, je vais faire un accéléré, comme ça on va voir. Mais vous voyez, ça rend super bien quoi. Quand t'es là dans le parc et que tu vois ça, tu te dis waouh, la dinguerie. Enfin franchement, en vrai de vrai. D'ailleurs je vous ai pas dit, mais j'ai changé la couleur du coaster aussi, pour que ce soit un peu plus chic, un peu plus classe, plutôt que le vert tout dégueu là. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Bon, on peut voir les résultats là. Allez, la fin ça me fait chier quoi. La fin ça me fait chier, voilà, ça y est. On est sur quelque chose d'assez sympa. Donc si vous avez une idée pour améliorer la fin, n'hésitez pas. Des grosses modifications sur le layout par contre je vais pas en faire. Moi je veux juste que vous me donniez votre avis. Mais je vais pas faire de grosses modifs sur le layout parce que j'en suis très 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 satisfait. C'est vraiment la fin où j'ai besoin de vous. Mais genre vraiment où je ne comprends pas comment faire pour que ce soit plus rentable. Je sais qu'en milieu de parcours on pourrait faire justement une zone de freinage. Mais justement ça casserait en fait. Le problème c'est que ça casserait toute la vitesse. Et je veux pas remettre un launch. Donc voilà, pour d'autres coasters on pourra faire ça, mettre des zones de freinage au middle. Mais voilà, comment faire pour rendre plus rentable, ça va être compliqué, mais c'est surtout comment faire la fin. Je n'arrive pas à faire une bonne fin. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. En tout cas voilà les amis, n'oubliez pas le like, le commentaire, l'abonnement. Et à très vite, c'était Mkolo, plein de bisous. Ciao tout le monde.